bon, s'en je sortir, suis voilà. votre prof de santé sexuelle. Santé sexuelle, hein, regarde-moi. De santé Est-ce que vous... sexuelle. Ouais. What? Je suis monsieur Pané. Tu me sors ta blague de merde, je te jure, je te mets une capote sur la tête. Oui, il est vénère. Ah, j'ai rien dit, moi. D'accord, je préfère. Bien, aujourd'hui, on va parler de la sexualité, on va parler de la femme et de l'homme. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des personnes qui ont déjà trompé le biscuit? Je répète ma question, est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont trompé le biscuit? Ou alors qui se sont fait tromper le biscuit? Ah, c'est pas une poucave. Écoute-moi bien, toi, avec ta face là, d'accord? Toi, je suis sûr que tu n'as pas trompé le biscuit. Mais si tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, il faut le dire. Ah, moi, c'est pas une poucave, c'est là. Moi, je dis, ici dans la classe, il y a des gens, mais je balance pas, là. Putain de merde, il me dit voilà en plus. Bon, toi là, avec tes lunettes là, et ta calvitie, est-ce que tu as déjà trompé ton biscuit? La calvitie, c'est l'inverse. C'est sur le côté, il y a des cheveux merde. Et en haut, il y en a pas. Ah, il a tapé ses contours. De merde, tu réponds à ma question. Est-ce que t'as déjà trompé ton biscuit? J'ai réfléchi. Oh putain de merde, en plus il est de tension. Oh merde. Toi, merde. Tu parles ou... Ah, je réfléchis, désolé. Je sais plus. Putain de merde, il m'a cassé les bombes que celui-là. Bon, les filles, est-ce que vous avez déjà touché ce qu'on appelle les testicules? Bon. Ouais, une fois, le flic dans sa voiture, il m'a demandé de le tapoter. C'est pour ton récep. Français, continue. Oh putain de merde! Il avait des grosses couilles ou des petites couilles? Quoi? T'as dit quoi là? Elles étaient petites. Non mais t'es sérieux toi? Putain de merde, mais on se pète encore. Et ferme ta putain de bouche, bordel. Putain, je vais le tarter celui-là. Bon, je t'écoute alors, vas-y, dis-moi tout. Eh ben, elle m'a demandé de le toucher parce que je m'étais enfui et il m'a pris dans sa voiture et il m'a dit ouais, si tu touches, eh ben je. Ah, fragile, il t'a pris dans sa voiture, t'as dit? Il m'a fait monter dans sa voiture. Et t'as touché? Non. Et là, merde, fallait aller voir s'il avait des couilles parce qu'il paraît que les flics, ils ont pas de couilles. Et toi là-bas derrière, là, avec ta tête de Santoni touche, là, t'as bien dû toucher des couilles, toi. Comment vous êtes ou quoi? Quoi? C'est quoi ça, halal? Ouais, Lara, qu'est-ce qui t'arrive? C'est horrible. Lara, t'es ouais, Lara. Quoi, là? Voilà, t'es pas venu, t'étais malade pendant 2 heures, voilà, on dirait que t'es parti au Maroc, t'es revenu. Elle est revenue. Oh putain. Voilà. Vous êtes en train de me dire qu'elle est redevenue vierge? C'est pas français. Oh putain. Bon, tu nous racontes ton histoire? Y'a pas de truc à raconter, là. C'est quoi halal alors? Va faire un stage au Maroc. What? Oh putain de merde, elle est insolente en plus celle-là. Putain, t'as tes gosses ou quoi? Bon, aujourd'hui on va vous apprendre comment on met la capote. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est la capote? C'est pas le toit d'une voiture? Oh putain de merde, en plus elle est conne. Allah, c'est pas mal. Allez, soi-disant, elle est en plus. T'as tout donné dans cette blague-là. Ah frangin, c'est pas cette blague. Dans cette blague. Ah frangin, Allah, attends, tu vas rien nous apprendre là, frère. Tout le monde sait comment il faut ken. Ah, monsieur, toi tu sais comment il faut ken. Alors vas-y, raconte-nous alors, on va rigoler un peu. Ah, tu sais bien, c'est quand l'abeille, tu vois, elle va dans la fleur et elle fait des trucs ham-ham avec la fleur, tu vois, avec le nectar, tout ça. Je comprends pas le ham-ham. C'est quoi le ham-ham? Ah, frère, le ham-ham, c'est quand l'abeille, elle fait du sale à la fleur, tu vois. Je comprends pas c'est quoi du sale à la fleur. Moi, je fais pas l'amour sale. Je me lave avant. Ah, frère, pays, je voilà, sais pas comment vous faites. Ah, je sais pas si tu comprends, quand elle deg-deg, tu vois. C'est quoi deg-deg? Ah, c'est quand elle est rebond, tu vois. Oh putain de merde, parle français, merde. Enfin, parle correctement. Bah tu me comprends, non? Là on est en train de parler, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'il veut dire? Parce que moi, je comprends rien. Non, moi j'ai tout compris. Voilà, merci Bart. L'abeille déglingue la fleur. Ah, t'inquiète. Voilà, t'as tout compris. Ah, il a déglingué. La quoi? Comment t'as dit, toi? J'ai dit, en gros, l'abeille, elle déglingue la fleur. Ah, il a déglingué. D'accord. Bon, très bien. Donc vous connaissez déjà qu'il faut tremper le biscuit dans maman. Quoi? On est d'accord? Ah non, ça c'est le truc du Nord, ça on fait pas ça. Il a dit quoi? Il a dit tremper le biscuit dans ma main, c'est un fou lui. Ouais. Ah moi j'ai compris, dans ma main. Je dis what? Toi dans ta main tu as l'air habitué, tu as déjà pensé à ça avant même qu'on en parle. Voilà frère, je comprends rien ton cours là. Jeune homme, toi avec ta coupe là, comment on lève, comment on lave ton sexe? Attends, je réfléchis. J'ai pas le souvenir. Avec les pieds, bien sûr. Évidemment. Oh putain de merde. Putain, on lave le sexe, comment on peut enlever la peau dans un saucisson, bordel de merde? Attends. Voilà, frère. Oh merde.
T'as cru que c'était une banane ou quoi? Oh, pourtant, je dirais plus encore méchant. Hein. Les filles, j'espère que vous rattrapez le niveau des deux là, parce que si vous ne l'avez pas non plus, croyez-moi, c'est la merde. Ben, je sais pas, comme les hommes. Vu que t'as raconté des conneries comme ça, tu peux te lever et aller te mettre dans le coin, s'il te plaît. Lève-moi ton petit cul d'ici et va te mettre au coin. Ouais, wow. doucement, parle doucement. Ouais. Parle à ta meuf là, il parle à ta meuf. Hein. Il parle mal d'elle. Bien, pour les gars. Du haut de mon coin. Nous avons. Pourquoi elle la ramène elle? Je m'appelle Lara. La ramène. Oh putain de merde. Bon, ramène ton fesse là alors. Ah! Voilà, voilà, frangin, ton cours est terminé. Vas-y, je me harbat, c'est Alex, je me casse. Assume-moi. Viens. J'ai vu quelque chose. Suis-moi. Vas-y, rentre. Gauche, droite. J'entends des rires. Où ça? Ouais, j'entends aussi. Ah, il se passe des trucs pas très nets ici. Quelqu'un, vous entendez? Oui, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je lui montrais, il me croit pas. Il croit pas quoi? J'ai vu des squelettes et tout, il me rigole au nez. Quand je te dis pourquoi tu vas pas, pourquoi tu vas. Bah, elle veut même pas parler. Quand je te dis tu vas pas, pourquoi tu vas? Je crois que t'as du mal à respirer. Oui, bah oui, j'ai du mal à respirer avec ça. Mais pourquoi quand je te dis tu vas pas, tu vas? Parce qu'il se fout de ma gueule, il me croit pas quand je lui dis j'ai vu des. Mais j'en ai rien à foutre, il se fout de ta gueule. Oh putain. C'est moi ou la porte? Il y a un truc avec nous là. La porte elle sort toute seule là. Oh non. Il y a un truc avec nous là. C'est une blague. Il y a un truc avec nous là. C'est une blague. Il y a un truc avec nous là. Ouais, la porte en face elle s'est ouverte toute seule. Elle est ouverte. Ouais. Oh la frangin, c'est chaud là. Ouais, la dernière fois que j'étais dans cette position, frangin, j'ai vu un monstre à quatre pattes. Ouais. Du coup, tu vas bouger. Hein. Oh merde! C'est pas fait exprès! C'est toi qui as tiré? Non, c'est pas moi qui ai tiré. T'as entendu? On est d'accord? Ouais. Oh putain! Vas-y, à la porte, elle bouge. Voilà, la dernière fois il y avait des squelettes. Oh, putain, il m'a fait peur sa mère. Il m'a fait peur. Ah les gars, je sais pas comment on va faire. Ah frangin, la dernière fois il y avait des squelettes. Mais il me croit pas, putain. Mais ok, c'est bon, il te croit là, c'est bon là. Ah, tu crois là, comme ça on peut se casser d'ici. Oh, enfin, attention, frangin. Voilà que s'il y a des squelettes comme la dernière fois, ça va partir en couille. Je vais appeler mon chien, il va les grailler. Ouais, t'as entendu ce rire? Ouais, j'entends. J'ai entendu une femme rire. Bon, vas-y. C'est bon, il te croit. Allez, chut. On dégage. Allez. Tu passes devant. Il a pas bon, je passe devant. Vas-y, je garde. Tu nous suives. Ah, venez, on y va, les filles. Ouais, j'entends encore des rires. Ah, je crois que j'ai trop. C'est bon, on taille. Ah frangin, il faut qu'on obtienne des réponses à nos questions là. Ouais, du feu, les gars. Une grande joie, la
Ah, les petites filles, si vous m'entendez. Ah, vous avez un chewing-gum sous le pied, faites un saut. Oh là, je me casse. Oui. Les gars, voilà. Les gars, depuis voilà, tout à l'heure, il est là pas. Et... Je suis descendu, j'ai entendu des petites filles chanter et compter jusqu'à 10, voilà. Je t'ai dit, je t'avais dit. Voilà que je suis pas je en train pas de me mentir. Voilà, j'ose pas je descendre. Dis, voilà, je te crois. Et quand je suis sorti, je te j'ai crois, entendu voilà. des cris. Mais depuis tout à Tu l'heure, viens on de se fait descendre? tronquer. Oh, regarde, t'as vu, là, tu l'as vu comment on se fait pousser? Tu l'as quoi, pas de vu? quoi, tu parles? Vu quoi? Dazon, tu vois pas depuis tout à l'heure, il se fait pousser? Et on vient de se faire Voilà, pousser, voilà je dis, j'ai entendu des voix des petites filles en train de compter et tout ça. Voilà, je descends pas tout seul, venez avec moi, les gars. Ouais, c'est parce que il y a 3 jours aussi. Et j'ai pas ah non, 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 descendez pas. Je suis t'es malade, gros. T'es un ouf. Il y a 3 jours. Après, moi, je descends. Voilà, qu'elle va mourir. Reviens, toi. Vas-y, voilà, je suis peux... Attends, attends, je suis noir, tu vois, j'ai un point faible en plus. Je suis. T'es baisé, casse-toi. Ah, reviens ici. Wow, wow. Woy! Se passe quoi là? Se passe quoi? Mais pourquoi tu vas solo toi aussi? Tu veux mourir ou quoi? On hein va tranquille là. Oh, viens, viens, les gars, venez, venez, je vais écouter. Faites attention. Lara, commence pas à faire la folle là. Oh là. S'il y a un truc où tu cours, d'accord? Regarde, ouais, vous ouais, entendez ouais le bruit là? On Alors, dirait du feu. Je connais pas. Hein? Vous entendez? Oh! Ouais, je sais quoi ouais, ça? J'entends. Vous entendez? Fais attention, fais attention. Frère, frère, frère! Fais pas le warrior là, voilà. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de continuer? T'as vu, t'as vu, t'as vu, je t'avais dit. Ouais, on part, non, c'est mieux, non? Vas-y, 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 je me barre. Là, Bart. Mais vous connaissez le chemin au cas où s'il y a ouais, ouais, on doit courir? Là, oui, là, oui, là, oui, ça va. Oui, oui, merci. Là, oui, ça va, mais si si on va un peu plus loin, par exemple, je sais pas comment c'est, moi. Voilà. Ah, vous, Pardon, excuse-moi. Ah, je suis pas fou. Stressé, je suis vous avez entendu comme moi les voix et tout. Oui, où la porte s'est ouverte toute seule. Non, mais il y a 3 jours. Je te rappelle, oh, il y a 3 jours aussi. Non, oh, hier, avant-hier, je sais plus. Ouais. Des bruits qu'il y avait aussi, frère. Il y avait des gens qui chantaient. J'ai même vu des choses cheloues. Je sais pas si j'ai vu bizarre, mais. Oui. Oh, excuse-moi. Ouais, venez, venez. Il y a quelqu'un, il est douze à ça. On se casse. Ouais, frangin, viens. Qu'est-ce que tu fais? Viens, qu'est-ce que tu fais? Il y a des bruits, quelqu'un aiguise un sabre. Tu parles de faire le roi ailleurs, c'est qui descend depuis tout à l'heure? Bah maintenant qu'on est là et qu'on entend des bruits, on va attendre, c'est tout. Bah tu sais quoi, vas-y. Ah là, ça va craver. Vas-y, viens, viens, remonte, viens. Frérot, viens là. Bah je t'ai dit, frère, je vais pas solo, tu vois. Voilà, c'est le squelette de la dernière fois, je vais rien comprendre. Moi aussi, vas-y, Robert. En vrai, je joue pas voilà, avec eux. Ah, la dernière fois, les squelettes, ils avaient quoi? Franchement, la dernière fois, les squelettes, ils avaient des couteaux comme ça, tu vois. Ouais, rien check la porte check. Déguisé. Voilà, je crois que c'est un rêve, j'espère que je vais me réveiller. On va vous dire que je vais. Ouais. Avancez pas. Avance pas, vas-y, pas à la porte, c'est un appel, faut pas y aller. Pour en sortir, j'ai dit, c'est bon, ils sont foutus. Il y en a qui regardent à droite au cas où, parce que sinon. Oui. Que ce bruit. Ah, je suis mort. Qu'est-ce que tu fais? Ah, faut pas l'énerver. Voilà, il va appeler les squelettes. Ah, là, par contre. Ah, tu viens de déclarer la guerre, là, je crois. Voilà, frasa. Voilà, frérot. Ah, j'espère qu'ils savent écarte-toi, que c'est toi. Écarte-toi, il a pas envie de faire une connerie, décale. Lara, décale. Viens, viens là. Tu viens de déclarer la guerre, frérot, je dis ça déjà. Voilà, je dis, on avance doucement. Doucement, les gars, doucement. Ouais, restez debout parce que après, t'arrives pas à courir vite, reste debout. Oh reviens, Bart. J'entends le feu. Ressors. Bien. Deuxième porte. Là, la deuxième porte, la porte par contre, là. Y'a quelqu'un? Y'a ah, quelqu'un? Y'a des prédateurs.
Vous êtes où? On est là. Ça sert à rien, y a rien. On sort tous, ça sert à rien. Ah, comme tu peux voir, y'a rien, venez ça, venez ça. Wesh. Là. Wesh. On sort les gars. Ils ont attrapé un. What? J'ai niqué rien. What? Frangin. Ouais. On se couvre et on essaie de discuter avec eux, on essaie de comprendre, ok? Est-ce que quelqu'un nous entend? Et est-ce qu'on nous entend? Y'a quelqu'un? On veut pas de mal, hein. On veut pas de mal. On vient en paix, ouais. Ok, t'as entendu. Ouais. Ça fait rire. Ouais. Bart, il est où Bart? Voilà Bart, ça fait clapper. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah, hello Bart. Il est où? Il était où la dernière fois que tu l'as vu? Il était où? C'est dans le couloir. Ah, regarde, bloquez pas, juste bloquez pas, ça c'est le pire truc qu'il peut avoir. Attends, bloqué, c'est bloqué ici. Oh putain. La porte se bloque. La porte elle est bloquée. Oh putain. Écarte-toi. La porte elle est bloquée, on peut plus passer.